Bonjour à toi cher spectateur et bienvenue dans cet épisode 36 de Coin du DVD. Épisode 36 donc toujours sous le signe de la lettre R dans laquelle j'ai beaucoup de choses. Principalement des, des délires fumés en fait, je me suis rendu compte après avoir choisi le film que je vais vous présenter aujourd'hui parce que j'ai quand même rien que pour vos cheveux dans les R. Rien que pour vos cheveux si vous ne l'avez jamais vu, regardez-le. Parce que c'est un sacré délire. Et que c'est... Très drôle, très amusant. Mais finalement, j'ai un peu des films qui sont dans la même vibe euh, constamment, soit dans les sagas comme j'ai évoqué la semaine dernière, comme Rec ou Retour vers le futur. Et, et j'ai des films qui sortent un petit peu de l'ordinaire, comme c'est le cas du film d'aujourd'hui. Parce que pour replacer le contexte, il y a beaucoup de films de requins qui sont sortis depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Disons que c'est un genre qui a été vraiment mais tracé de long en large par de nombreux metteurs en scène, que ce soit des metteurs en scène connus. Comme Romé Colette Serra avec Instant de survie, par exemple, ou que ce soit des metteurs en scène fascinés par la connerie, comme ceux qui ont fait Sand Sharks, c'est-à-dire des requins qui se baladent dans le sable, ou ceux qui ont fait Sharknado. Et le requin, du coup, est devenu un objet de délire un peu bizarre qui ne fonctionne quasiment plus, en fait. Mais au tout début de cette vibe, en 2010, il y a un film sur lequel je suis tombé un peu par pur hasard et que j'ai vraiment adoré. Il s'agit de The Reef de Andrew Trocky. Alors The Reef a un pitch qui est hyper simple dans le genre. C'est-à-dire qu'en gros, on est sur un groupe de potes qui va partir sur un bateau pour faire de la plongée, et en plein air, ils vont se retrouver bloqués parce qu'ils n'ont plus d'essence, et ils vont se dire, on a deux choix. Soit on attend ici, on n'est pas sûr de trouver des secours, parce qu'en plus, on n'a aucun moyen de les contacter, soit on y va à la nage. Et on croise les doigts pour trouver, si ce n'est une petite île, en tout cas un endroit où se réfugier. Et vous vous doutez ce qui va se passer, vu que c'est un film d'attaque de requins. Bah au moment où ils vont choisir d'aller dans l'eau, <laughs> il va y avoir un requin. Bon, alors pour être sincère, euh, la plupart des gens que je connais qui ont vu le film n'ont pas aimé. Je peux comprendre, honnêtement. C'est un délire qui est très particulier, parce que The Reef, euh, on sent qu'Andrew Trocky, il s'est dit, je sais que je vais en terrain, mais alors miner comme ce n'est pas permis. C'est-à-dire que le genre a été... Survolé encore et encore par de trop nombreux metteurs en scène. Il y en a qui l'ont sacralisé comme Steven Spielberg avec Les Dents de la Mer, et il y a des mecs qui en ont fait de la merde comme les gars qui ont fait Sharknado. Et donc, du coup, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que mon film ressorte un peu du lot Il a trouvé une petite idée, et c'est ça qui en fait me fait beaucoup apprécier The Riff. C'est que Andrew Trokey, qui est donc un réalisateur australien, a choisi d'avoir un vrai requin dans son film. Et c'est très intéressant. Parce que mine de rien, ça crée une tension qui est palpable. Parce que la plupart des gens qui ont fait des films de requins, ou qui ont choisi d'aller dans cette direction de vouloir euh, être le plus divertissant possible, se sont plantés dans deux directions. La première direction, c'est qu'il ne faut pas trop en montrer, et donc peut-être risquer de ne pas assez montrer à la créature. Ce qu'a très bien réussi Steven Spielberg par exemple, mais ce que d'autres metteurs en scène ont complètement foiré en voulant tellement le cacher leurs créatures ou leurs requins, que du coup, on voit que vraiment rien du tout. Et il y a l'autre option qui consiste à mettre beaucoup d'effets spéciaux et de faire un requin numérique, ce qui fait que des fois, c'est une catastrophe, genre Peur Bleue, qui est certainement l'un des films de requins les plus débiles du monde, si ce n'est pour la mort de Samuel Jackson. Euh, et Instinct de survie, par exemple, le requin, même s'il si est fait en numérique, ça ne fonctionne pas du feu de Dieu parce qu'il manque ce petit côté un peu, un peu palpable. Quoi. Et alors, The Reef un Jujoki, ce qui fait qu'il marche et qu'il fonctionne pour moi, c'est parce que le requin, il est présent. Le requin, quand on le voit, c'est que c'est une nécessité de le voir. Et qu'en plus, vu qu'il s'est permis d'avoir un vrai requin, bon, pas évidemment avec les acteurs, parce que vous vous en doutez que sinon, ça aurait été très compliqué, et comme on a vu, il y aurait deux ou trois acteurs qui auraient quitté le plateau en courant, même s'ils étaient en plein milieu de la mer, mais déjà, il y a cette démarche que je trouve fascinante. Cette envie de vouloir absolument coller à cette idée que si on doit faire en sorte que le spectateur rentre dans son petit délire, il faut avoir une accroche. Et là l'accroche, c'est d'avoir un requin qui soit réellement présent à l'écran, qu'on ressente et devant lequel on est terrifié. Donc oui, le film derrière, il a tendance à un peu céder à des facilités, à être si ce n'est crétin en tout cas, à comment dire, à pas être très subtil dans le rapport entretenu entre les personnages, à avoir tendance à un peu rallonger, on va dire, la mort de certains mais après le film fait 1h20. Il est très court. Et honnêtement, on ne voit pas le temps passer devant. Parce qu'il est tellement court, tellement condensé et tellement subtil dans sa manière de construire finalement l'attention. Et surtout, et c'est ça le point que je trouve très important, c'est que le requin ne commence qu'à arriver au bout de 40 bonnes minutes de film. C'est-à-dire qu'avant, on nous a bien placé le décor, on nous a bien expliqué la situation, les rapports entre les personnages et les ambiguïtés qu'il peut y avoir entre chacun d'entre eux. Et finalement, c'est ce qui pour moi fait la force de ce genre de film. Bon, sans tomber dans le soap opéra, ce qu'on tendance à faire beaucoup de films du genre, mais en allant quand même un petit peu dans cette direction, en créant des nuances, des tensions, des doutes, etc. Mais il y a quand même du coup quelque chose qui se crée. Il y a un vrai choc. Et du coup, nous, en tant que spectateurs, on reste pris par l'histoire. On se dit, ouais, bon, les personnages ne sont pas très malins, il aurait fallu être plus subtil dans la construction de ceci, etc. Mais on se dit qu'au moins, le film est franc avec sa démarche. Et que du coup, ce qui est important, c'est de quand même avoir un contexte avant de balancer le requin et de créer de l'attention. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce film. Bon, après, il est bourré de défauts. Il est bourré de défauts dans le sens où, même s'il y a le requin qui est présent à l'écran, même si les acteurs sont vraiment dans la flotte, il y a des instants où on sent une pointe d'amateurisme, notamment en termes de jeu, qui fait perdre un petit peu pied avec le délire. Mais... Il y a quand même plein de bonnes choses dans ce film. Bon, par contre, niveau bonus, encore une fois, il y a quasiment rien à se mettre sous la dent. Il y a un making-of de 24 minutes et il est un peu intéressant, notamment dans la partie où on nous montre comment ils ont fait tous les plans avec le requin, parce que ça a dû quand même être un sacré casse-tête, parce qu'il y a des moments où on voit le requin. Se confronter à quelque chose et on se dit qu'il y a dû y avoir quelque chose quand même pour que le requin arrive, où il y a d'autres moments où le requin passe très très près de la caméra. Il y a des petits trucs comme ça et il y a le fait aussi qu'on nous montre comment ils ont fait le tournage en pleine mer, ce qui reste quand même quelque chose de très compliqué parce que mine de rien, la plupart des films qui ont un concept comme ça, je pense encore à Instinct de survie, c'est sur un fond vert, c'est jamais en pleine mer parce que ça sera un casse-tête logistique, ça sera un enfer parce qu'il faudra se réguler en fonction des marées si jamais tu étais en bord de mer et là on pourrait se dire. La vache, attends, les gars, ils sont euh, quasiment toute la journée dans l'eau. Euh, à la fin, ils ont les doigts tout fripés et puis ils ne sentent plus leurs jambes. Et pourtant, ils se donnent à fond dans cette idée-là. Et c'est ça, en fait, que j'aime bien dans ce film c'est que peut-être qu'il est maladroit ou pas toujours subtil ou qu'il a tendance à un peu abuser de son idée de base, donc du coup, de se dire ça suffit à tenir le long métrage. Mais au moins, dans sa démarche, il a été radical, Andrew Trokey. Et il a vraiment fait en sorte que The Reef soit un délire. Peut-être un délire qui n'arrivera pas à convaincre tout le monde, mais c'est un délire qui va jusqu'au bout de son idée de base. Et si vous ne l'avez jamais vu, vraiment, je vous conseille quand même d'essayer de le regarder, parce que je pense que vous pourriez tomber amoureux de ce long métrage. Ceux qui l'ont déjà vu, vous me direz ce que vous en pensez, mais ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous pourriez beaucoup apprécier The Reef. Ainsi s'achève donc cet épisode 36 de coin du DVD. Encore une fois, que vous n'ayez pas encore vu le film ou que vous l'ayez déjà vu, n'hésitez pas à me mettre vos avis dans les commentaires. Comme d'habitude, j'y jetterai un petit coup d'œil et on débattra s'il y a besoin, parce que je pense que ce film peut amener un débat. Et comme d'habitude, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission, il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.